Pendant 24 heures, les pilotes vont affronter le mythique circuit du Mans Bugatti, 4 km 185, que l'on découvre avec Monsieur Kenny Forêt. Nous sommes donc avec Kenny Forêt pour présenter cette piste de 4 km 185 de ce circuit du Mans. Kenny, cette piste a été resurfacée, est-ce que ça change quelque chose déjà? Alors oui, elle a été resurfacée en 2016. Alors pour nous, il y avait beaucoup moins de bosses et les chronos se sont vraiment améliorés, quasiment plus d'une seconde. Donc c'était pour nous quelque chose de vraiment mieux. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir, c'est que c'est une piste mythique évidemment. Quels sont les virages pour toi qui sont les plus marquants? Alors, pour commencer, le virage le plus marquant, parce que ça fait partie des virages les plus rapides du monde, c'est la courbe Dunlop. Pourquoi? Parce qu'on rentre à plus de 260, 270, au point de corde on est à 180, donc c'est vraiment la particularité du circuit et ce virage-là est vraiment extraordinaire. Ouais, au départ aussi, il faut être vraiment concentré. Oui, alors l'avantage, c'est que quand on prend le départ des 24 heures du Mans, on part un peu plus loin. Donc on n'arrive pas très très vite dedans, mais voilà, ça passe. Alors, il y en a un autre, un virage qui est important, mais pour sa difficulté, c'est le virage du musée. Oui, parce que le virage du musée, c'est un virage dans lequel on rentre où le virage est un peu serré. Au fur et à mesure du virage, il s'ouvre de plus en plus. Et c'est peut-être un des seuls virages où l'axe du virage n'est pas constant. Donc c'est la particularité de celui-ci. Et c'est vrai qu'il est assez particulier. Et puis c'est aussi un des premiers gauches. Donc voilà, il est important. Et puis en parlant de mythique, évidemment, on a le virage du raccordement. Alors pas forcément très technique, j'allais dire, mais par contre, il veut dire quelque chose, non? Bah, c'est le raccordement, on sait que c'est là où le circuit des 24 heures du Mans et le circuit des 24 heures du Mans moto et celui de l'auto se croisent. Et c'est vrai que c'est un virage assez particulier, il y a ce double droite. Mais il est aussi très important, pourquoi? Parce qu'on a derrière la ligne droite la plus longue du circuit, donc il est important de bien se positionner, d'avoir assez de vitesse, de ne pas faire d'erreur aussi parce que l'entrée du virage, on peut avoir parfois quelques petites bosses qui sont gênantes. Donc non, c'est vraiment... et puis c'est le dernier virage, c'est l'arrivée, donc c'est toujours quelque chose de mythique. Et puis on espère bien sûr voir la BMW sur la première marche du podium, parce que c'est pas arrivé depuis longtemps, ça n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, donc j'espère qu'on sera les premiers. Merci Kenny. De rien, ciao.